T'as peur de perdre. T'as peur de perdre quelque chose qui est précieux pour toi et qu'on nomme une intimité avec l'être. Et c'est peut-être la seule intimité que tu t'autorises. Tu souhaites, t'aimerais être intime avec le monde à travers les activités que tu pourrais faire, à travers toute cette énergie que tu pourrais emmener dans le monde, mais tu ne t'autorises pas parce que ça nécessite pour toi d'abandonner quelque chose, d'abandonner ton trésor, d'abandonner ce qui est pour toi la chose à ne pas perdre, c'est-à-dire l'être. C'est une stratégie pour toi de ne pas faire, de ne pas jouir concrètement de toi-même, de ne pas être au diapason avec les autres, parce qu'il faut tout le temps, tu as la priorité d'être décalé de l'autre, d'être décalé des autres, de la société. Donc tu mets ta pierre de travers pour toi-même te faire tomber. Tu mets ta pierre de travers pour que ta maison soit construite, mais pas comme les autres. Et du coup, les autres ne peuvent pas rentrer dans ta maison. Donc le rapport à l'être te renvoie à l'intime. C'est ça, ta réelle question, c'est, mais pourquoi je n'arrive pas à être intime avec une autre personne que moi-même? Pourquoi? Parce que tu as peur de la différence. Ta structure me renvoie, j'ai peur de la différence. J'ai peur de me tromper de scénario. J'ai peur de me tromper de scène, j'ai peur de me tromper de paroles dans mes actions si je suis en face de quelqu'un qui n'est pas moi-même. Parce que moi, je me connais et je sais être douce avec moi-même, mais je ne sais pas si les autres seront douces, seront doux et douces avec moi-même. Donc, c'est ton rapport à l'autre que tu questionnes. C'est ta capacité à être douce avec toi-même. Donc, on revient sur la thématique globale de la soirée. Tu questionnes aussi tes capacités. Une des questions derrière ta question, et qui est encore derrière ta question, c'est est-ce que j'ai la capacité humaine de me supporter? Parce qu'au fond, tu ne te supportes pas. Il y a des choses que tu voudrais exprimer de ta vérité personnelle, de ton humanité, de ce que tu vibres réellement, qui ne sont pas supportables à ta vie. Tu voudrais les effacer de ton existence, faire comme si ça n'existait pas. C'est comme si tu n'étais pas comme ça. Ça me parle du chemin que tu ne veux pas faire à cause de ça. Ça me parle des actions que tu ne veux pas entreprendre à cause de ça. Et quand je dis chemin, ça veut préférentiellement dire le cap que tu donnes à ta vie. Dans le fond, la priorité de ta structure, c'est reconnecter le désir de vie. C'est de reconnecter le désir de jouir de ce que tu fais, du matériau que tu es. C'est-à-dire l'être humain avec le corps, les émotions, le mental, l'esprit, etc., etc. Tu sais pas quoi faire de toi. Tu restes un peu sur le bord du chemin, sur le bord du précipice, j'ai envie de dire, à te demander, mais à te demander quoi faire. Et t'attends que quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est ça. T'attends que quelqu'un d'autre te donne la solution clé en main pour aller. En fait, t'es pas cap de créer un choix, de tisser ta toile, de créer un système, une situation, d'amener une situation qui te permette de bouger de ta zone de confort. Parce que c'est trop engageant pour toi. Il y a trop de responsabilités sur toi qui seraient trop lourdes. Ces responsabilités seraient trop lourdes à porter, seraient trop lourdes à digérer, seraient trop lourdes à transmuter. Tu souhaites que quelqu'un d'autre endosse cette responsabilité. Et le mot responsabilité résonne vraiment dans le groupe. C'est quelque chose de prioritaire pour nous. Donc,
toi qui regardes maintenant, parce que je tutoie maintenant, je tutoie. La responsabilité, c'est quelque chose qui ne pourra jamais nous faire défaut. La responsabilité, elle est là, même si on la fuit. La responsabilité, elle est là, même si tu la fuis. La responsabilité, elle est là, même si tu essayes de te cacher. La responsabilité, elle est là, quoi qu'il arrive. Parce que tu as la responsabilité de te retrouver en face de ce que tu as à guérir et de ne pas aller sur cette opportunité, sur ce chemin d'opportunité qui se présente à toi. Voilà ce que résonne le groupe. Groupe, tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu ne fais pas ce qu'il faut parce que tu es beaucoup trop exigeant envers toi-même. Et tu penses que c'est en suivant l'exigence que tu vas avancer. Et voilà la croyance. La croyance, c'est que l'exigence est juste là pour te maintenir à terre et pour t'empêcher de mettre en place les actions qui permettent de te guérir. Pour t'empêcher de mettre en place un système sain qu'on nomme l'égoïsme, qui est là pour que tu te regardes en face, qui est là pour que tu regardes le contenu de ton identité et de voir quelle est ta vérité, quels sont tes besoins, quelles sont tes limites, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux ne pas faire. Donc c'est quelque chose de très sain. Laura, j'ai carrément envie de te faire une session, en fait. J'ai carrément envie de t'inviter, de te dire, mais viens faire une session avec moi. Viens. Parce que la thématique que t'apportes est beaucoup trop intéressante, est beaucoup trop, dans le fond, joyeuse pour rester comme ça. Mais en tout cas, fais ce qu'il faut. Et merci beaucoup pour ta question.